Jesus. Hare Krishna. Besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle de siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Père, merci d'être la porte par laquelle nous pouvons accéder et dire un mot au Dieu des esprits de prophètes et le voir s'accomplir. Ceci est un chant de ceux qui n'ont que Dieu comme ressource. Ceci est un chant de ceux qui fléchissent leurs genoux et se disent que le prophétique est la clé qui nous donne accès au lieu surnaturel afin de ramener la pensée du Dieu des esprits de prophètes sur la terre des hommes. J'ai vu la terre trembler. J'ai vu les hommes s'en tués de même, mais nous nous restons ici dans ta présence. Nous restons ici jusqu'à ce que tu touches. Je verrai quand j'arrive.
Dieu des esprits de prophètes, le Dieu des esprits de prophètes, et Radoshaya Mayanama. Oh, Dieu qui peut toucher, c'est le Dieu.
j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai. Si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, enchaîne les bras d'os, j'entendrai. C'est alors que je me posais beaucoup de questions sur ma jeunesse. C'est alors que je me posais beaucoup de questions sur ma vie. Alors cependant, le Dieu des esprits, de prophètes, n'a pas voulu rester là sans dire un mot. Je ne sais pas ce qui t'intéresse en ce moment, ce qui te trouble en ce moment, mais j'aimerais te dire une chose. Il y a une différence entre ceux qui te proposent d'aller te jeter dans la piscine parce qu'eux ne peuvent pas t'aider. Mais lorsqu'il y a la présence du Dieu des esprits de prophètes, lui se pointera pour te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a une différence entre ceux qui te disent, va dans d'autres hôpitaux, vois d'autres médecins, parce que tu n'arrives pas à être guéri de ta maladie. Et la présence du Dieu des esprits de prophètes qui t'attire vers lui, non pas pour que tu restes la même personne, mais pour que tu touches et que tu changes et que tu sois guéri. Je déclare qu'en cette saison, il n'y aura plus de mort, plus de sacrifices, plus de chaos, plus de maladies. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Et le Dieu des esprits de prophètes s'occupera de la suite. J'entendrai, je verrai.